Et salut YouTube, bienvenue sur Ryoko Studio. Aujourd'hui, petite vidéo sur Fortnite pour un blind test manga. Voir si je suis toujours aussi chaud sur les mangas que lors de mon enfance, de ma plus tendre enfance. On perd pas plus de temps, c'est parti! D'activer le sprint auto. Ah. Merde. Ok, let's go. Attaque Titan. On commence directement sur du Attaque des Titans. C'est trop bon, franchement. Ouais, c'est amélioré, hein. De un à l'autre, il s'est grave amélioré, c'est abusé. Bon, attaque titan hein, directement. Oh non, je crois que c'est Demon Slayer. Eh, quand même pas, hein. Sasa Geyo. Au départ, dans SNK, Hajime Isayama avait dessiné un personnage qu'il a finalement décidé de diviser en deux, créant Jean et Armin. Quoi? Ah, en plus, maintenant il a mis des trucs en plus, c'est stylé ça. Le désir d'Eren de sortir des murs et d'explorer le monde vient de l'enfance de Hajime Isayama. Stylé ça, il nous fait des trucs comme ça, c'est cool. Oh là, quoi? Qui est le chef du bataillon d'exploration? Erwin Smith. Mais bon, plus maintenant, parce que voilà, on se rappelle la saison 3 où il... Ouais, il est un peu mort quoi, mais let's go. Ah ouais, les questions sur Attaque Titan par contre, ça c'est bon. C'est pas Dragon Ball ça? Il me semble que c'est la musique Dragon Ball. Ouais, ça c'est Dragon Ball ça, clairement. Non. Il me semble, non? Ah, je sais plus. Non, c'est pas. Du coup, c'est. Alors, c'est. Attends. C'est Hunter x Hunter alors? Je sais pas. Après, c'est la même voice, les gars. Vous allez pas me saouler. Ouais, c'était obligatoirement ça. En kanji, le nom de Isekai signifie secret. Le nom de Isaac Netero fait référence à Isaac Newton. Ok. Alors, par contre, ici, les gars, je suis pas fort du tout. Comment se renomme le roi? Se nomme le roi. Les gars, je n'en sais rien, j'ai jamais regardé au complet Hunter x Hunter, donc à l'arrache, ça passe. Ça passe. J'ai jamais regardé au complet, désolé. Désolé pour les fans, voilà, c'est comme ça. Bon, allez, suivant. Oh, le bluebird de Naruto, ça, c'est bon. Oh ouais, ça c'est bon, Naruto Shippuden. Oh là là, le petit Bluebird. Ça c'est bon. Hein. L'opening set de Naruto Shippuden montre Ino Sakura et Hinata en train de combattre Konan. Alors que c'est jamais arrivé. Les nuages rouges présents sur les manteaux noirs de l'Akatsuki représentent les larmes de sang versées par le pays de la pluie lors des guerres sur les sept territoires. Que signifie Akatsuki? L'aube, non? Ah, aube ou crépuscule? Moi je dirais, ouais, crépuscule, ça fait plus dark, non? Ça fait plus Akatsuki. Non? Ah ouais, bah l'aube alors. Ok, bah j'hésite entre les deux. Ok. Wampanoag! One Punch Man, ça c'est stylé, mais il est fou. Le mec il disait, ouais, c'est dur à faire, mais c'est un fou en fait. Il est trop fort. Saitama arrive à faire la distance de la Terre et Lune en seulement 1,5 secondes. Ah ouais! Moi je te le fais en 1 seconde, mais voilà, on dira pas. Hein. Le nom Saitama provient du nom de la préfecture du Kanto au Japon, dont la capitale se nomme Saitama. Ok! Combien d'années dure l'entraînement quotidien de Saitama qui lui fera perdre ses cheveux?
Oh non, je sais plus. C'était pas un an, je crois que c'était un an à faire des guidages et tout. Je crois que c'est un an. Non? 3 ans alors, 2 ans ça me semble peu. Du coup. Ouais voilà, 3 ans. Ah, j'hésitais entre 1 et 3, bah voilà. Non, 2, j'aurais jamais mis 2 de toute façon. J'en ai aucune idée. Je connais pas du tout ce manga. Ça doit pas être One Piece. No Game, No Life? Non. Death Parade? Je sais pas, hein. Je connais pas du tout. Ah bah non, c'est One Piece? Mais One Piece, comme je dis, j'ai pas été très loin dans l'épisode précédent. J'ai pas été très loin dans One Piece. Donc, Luffy sera un ambassadeur pour les Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2021. Quoi? La fin de One Piece a été révélée à un enfant hospitalisé par le célèbre manga Eiichiro Oda. En phase terminale du cancer, son dernier souhait était de connaître la fin de One Piece. Le mec, c'est balade, bah il a juste dit Luffy à One Piece. Voilà, c'est. Je voulais spoil, mais c'est comme ça les gars. Combien Zoro a eu de sabres depuis le début de l'aventure dans One Piece? Ben, pour moi c'est l'homme à 3 sabres. Non? Mais ben, après je sais pas comment j'ai dit, j'ai jamais regardé, mais ok, 4. Ok. Bah écoutez, voilà, on apprend des choses tous les jours. Oh, c'est quel manga ça? Oh my god. What the fuck? Je sais plus. Je sais plus du tout le manga. Non. What the fuck? Avec le nom, je sais pas si je l'ai vu le manga, j'ai déjà entendu la musique, mais je sais pas si je l'ai déjà vu le manga. On verra, hein. On verra de toute façon. Mais je ne pense pas avoir déjà vu le manga. On verra bien, on verra bien. Jojo's Bizarre Adventure, je dirais. Attends, non, c'est Yu-Gi-Oh! Quoi? Mais non, c'est bizarre, c'est Jojo. Ah ouais, c'est l'idole les deux. Putain, mais je suis con. Yu-Gi-Oh! Ça n'a rien à voir. Alors, jeu bizarre a inspiré les créateurs de Street Fighter. Hirohiko Araki a créé un manga pour le musée du Louvre. Il s'agit de Rohan au Louvre. Et il met en vedette Rohan capable de lire dans l'esprit des gens. Ok. J'ai jamais vu de ma vie ce manga. J'ai jamais pu parce que c'est un manga en anglais. Et les mangas qui sont pas en japonais, j'ai du mal. Qui est le personnage qui vend les flèches? Diavolo? Ou Enya? Diavolo. Écoute, First Try, ouais, écoutez, je suis un grand fan de Jojo's Bizarre Adventure à la base. Oula. Je vois, c'est quoi? Je vois c'est quoi, mais oh le nom! Ah bah c'est Fire Force! Et quand t'es nanana, bah c'est Fire Force! Fire Force! Oh nice! Non, il est trop fort le mec, il est trop bon de ouf! J'ai pas fini Fire Force! Fire Force. Oh, mais de son Force Fade et Free Force, ça c'est du full troll quoi! Mais j'ai jamais fini! Oh my god, il faudrait que je le finisse en plus. Moi je crois que je le finirais bien ce week-end en vrai. La 8ème brigade a les locaux les plus petits de tous. Atsuki Orubo est un grand fan des pompiers. Ok. Quelle est la brigade spéciale de Fire Force? Ce n'est pas la brigade numéro 5? Bah non, la 8 du coup, je suppose c'était spoilé dans le nom. C'est pas la 1, hein, 100%. 100% c'était pas la 1. Ouais, je suis con. Oh, c'est pas grave. Let's go. Na na na, Bakugan.
c'est Demon Slayer. Na. Oh, il s'est balade. Non. Il s'est trop bien mis par contre. Demon Slayer. Non, il s'est refait de fou, frère. Allez, c'est quoi ça, Fate? Dégage. Demon Slayer. Alors, Tanjiro est le seul à pouvoir entendre l'oiseau de Zenitsu. Les pupilles de Nezuko ont changé lors de sa transformation en démon. Jure la vie de ta mère, personne n'avait vu. Quel est le pouvoir sanguinaire de Nezuko? Je crois que c'est sang enflammé. Ouais, c'est ça. Nice. En vrai, la version 2 est super nice, mec. Si tu vois la vidéo un jour, continue comme ça, c'est insane. Il s'est trop bien mis, mon frère. Avec Meliodas, comment ça passe, manga là? Ah ouais, avec les 7 péchés capitaux. Oh là là, il s'est trop bien mis, mon frère. The Seven Deadly Sins, il s'est trop bien mis. Diane a peur des insectes. Gouter a quasiment une vue d'aveugle. Ok. Attends, Lost Vein. Bah, je crois que c'est Lost Vein déjà, de toute façon. Quel est le nom de la réplique sacrée de Meliodas? Lost Vein, pour moi. Ouais, ok. Nice. Ça, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? What the fuck? C'est quoi qui est marqué là? Full Metal Alchemist? Ah, bah, c'est clairement Full Metal Alchemist par contre, c'est vrai. Ah, ouais, clairement en fait. C'est clairement Full Metal Alchemist. Ah ouais, mon frère. Le manga de Full Metal Alchemist est censuré aux États-Unis. Bah, RT pour eux. Hein. Par contre, les gars, les noms, je les connais pas, j'ai jamais regardé. Comment se nomme la mère d'Edward et d'Alphonse? Ridza, ça me semble bien. Ridza. Trisha. Voilà, Trisha. Mais évidemment, tout le monde savait. Let's go. C'est quel manga ça? Oh, what the fuck? C'est pas des notes? Ah, what the fuck? C'est pas Dragon Ball Z, du coup c'est My Hero Academia. Let's go. Insane. Alors, Koei Horikoshi, grand fan de manga, s'est inspiré de Naruto et de One Piece pour créer My Hero Academia. Les personnages All for One est inspiré du personnage de Dark Vador. Sérieux? What? Bon, là, il y a moi, je réponds mieux. Quel est le nom du héros? Izuki Midoriya. Ouais, trop bon. Ok. Next. Sword Art Online. Ok. En vrai, celui-ci est beaucoup plus simple que le train pour moi, parce que je les connais beaucoup plus. Nice. En vrai, je pense avoir pas regardé beaucoup de mangas dans ma vie, mais en vrai, ça va, je me débrouille pas mal déjà là. Bon, j'ai vu les plus connus. On n'a pas encore vu Dr. Stone. On n'a pas encore vu Dr. Stone. Mais voilà. Et en vrai, pour le moment, je me défends bien. Hein. Alors, Asuna Yuki est
un des deux seuls personnages à utiliser son vrai nom dans le jeu? Kirito possède un PC avec un processeur de 24 Go. Ah ouais, il est là en fait. Quel est le surnom de Kirito? Bêta testeur. Quoi? Cheater alors? Non, pour moi c'est. Mais après j'ai pas vu. Beater. What? Bah pour moi c'est le bêta testeur. Bah voilà, c'est fini. Donc le son d'instant en grand. Merci d'avoir joué, de rien. Aux 4000 abonnés sur mon Insta, je sortirai de la partie 3. Bah écoutez, j'irai voir juste après si c'est la partie 3. Si c'est la partie 3, on va se la faire encore et encore. Juste un que j'allais me refaire, les gars, parce qu'il est vraiment. Voilà, c'est mon manga préféré. C'est la meilleure saison de tous les mangas au monde. Attaque Titan saison 2, les gars. Allez voir maintenant si vous avez jamais vu. Maintenant, je veux que tout le monde aille voir Attaque Titan si vous avez jamais vu. La saison 4 arrive très bientôt, alors allez-y, foncez, foncez, foncez! Normalement, cette vidéo sort samedi. Attaque Titan saison 2 sort samedi prochain. Alors sortez-vous les doigts du cul et allez voir cette saison maintenant! Non, sinon, à part ça, si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu. Si vous avez pas aimé, pouce rouge. Si vous mettez un pouce rouge, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, que je puisse m'améliorer. Hein, ce serait cool que je puisse m'améliorer. Qu'on me laisse ma chance, quoi, merde! Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, lien dans la description. Ça me fait plaisir, je suis en live tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Voilà. Donc sinon, voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Stalfire. Ciao!